Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Black, alors, cette fois-ci? J'y vais avec toi encore? J'en suis, hein. Toi, t'en Ok, suis aussi. Allez, tant J'y qu'à vais avec faire. Figa alors. Et le groupe d'appui, c'est. Pas Figa et moi, apparemment. D'accord. Et donc, nous, on va à l'intérieur tous les deux, D-Style? On va essayer. Ok. T'es où, Figa, toi, dans quelle voiture? La blanche. Ah, ok. Tu prends une charge, faut que je suis obligé d'en prendre une, moi, ça veut dire. Je crois que j'en ai deux, attends. Oh putain, moi ce que je me suis mis, en fait à la base, je me suis mis plus comme un groupe d'appui, j'ai pris 4 titans. Tu veux me faire une croix où je dois aller, celui-là? Ouais, je garde, tu l'as sur le. Ah non, d'abord on va se mettre, on sait jamais s'il réveille les. À la pompe à essence. Le Strider, on va se positionner, ouais, commence par la pompe à essence. Après, tu continueras un peu sur la départementale, nationale, je ne sais trop rien. Et on ira au village qui est un peu plus loin. La 86. Non mais c'est bon, je vais pouvoir la prendre la charge, il me reste un peu de place dans mon. J'en ai deux, ok. Ouais. Et puis je pense que le scientifique, on va le taper. Ouais, ça me semble. Ou silencieux. Attends, je fais un micro AFK, je vais voir mon chat avant qu'il creuse la fenêtre. Voilà, je t'ai mis une corde où il faut qu'on aille en priorité. Pas noir. Ça, ça. Bon, là c'est pas mal. Ah oui. Hop là, le chat est dans la place, je suis là. Ah merde, j'ai pas de lanceur, tu as un lanceur toi? Ouais, avec une charge par contre. Ouais, prenez des lanceurs hein. Parce que j'ai pas de lanceur, je pensais prendre un lanceur. J'en ai pas. Non, de toute façon, Yuri, soit vous réussissez la mission et on peut la finir, soit vous la réussissez pas et on pourra pas la finir. Tu crois? Ouais, on peut avoir les lanceurs qu'on veut. À deux, à la limite, on aurait été 7 ou 8 en haut, peut-être. Mais à deux, on a aucune chance. Et toi là, D-Style ici en 4-4? Ouais, c'est bon. Allez. Ah, parce que ce qui fait. En fait, surtout ce qui est emmerdant, c'est les Tessans. C'est surtout ça, c'est les. C'est eux qui sont problématiques. Après, la piétaille, bon, tu peux arriver à distance, tant que tu maintiens la distance entre eux et toi, ça peut être jouable, quoi. Et les Tessans, c'est que les Tessans, ils vont nécessiter au moins 2 ou 3 titans dans la ganache, il y en a 2, donc ça veut dire que déjà, il faut 2 AC, rien que pour eux, quoi. Tu comptes quasi 2 autres AC pour taper les Ifrit et les MRAP. C'est vrai que là, on est un petit peu juste. Alors là, il faut que tu fasses marche l'arrière. Marche arrière, c'est qui est dans le truc blanc là? C'est moi. Et nous, on fait le... Eh bien, nous on fait pas là. Nous, il faut reprendre la route principale et tu continues. À quel côté? À droite, droite. Voilà, par là. C'est bon. Ok. Eh, suis la route. Cette droite là. Ouais, cette droite là. Nous, on est groupe soutien, hein, c'est ça, hein? Ouais. Exact. Voilà. C'est possible. Donc vas-y à fond. Vas-y à fond, tu prendras le prochain embranchement à droite. Donc là, on voit après. Ben, dès que tu vois une route à droite, tu la prends. Ok. C'est bien sur le GPS, il n'y a pas de route. Hop. Attends, on va essayer de pas se prendre tous les... Bah par contre j'ai été con, moi je me suis pas trop équipé pour faire une insertion moi. On va prendre des grenades, des trucs comme ça là. J'ai rien pris là, je suis qu'en titan. Ouais, reviens un peu, là, prends à droite là. Bah ça c'est voilà, en face. La route à droite là, c'est okay. Là. Voilà, à fond. Je me déplace parce qu'en fait j'ai un petit souci de direction. Je vois ça. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que on a tapé la clôture. Et donc vu qu'il y a dans l'arma, les véhicules sont. Oh putain. Ils sont en carton. Ouais, c'est. Tout droit ou à gauche? Faut aller au petit village là-bas, au fond devant toi. Ok.
Bon, désolé, hein, c'est un peu gerbant la conduite. C'est pas grave. Oh, oh. T'es sûr que c'est pas un problème de touche récurrente là, tu sais, qui te. Non, non, je. Non. Parce que les pneus, j'en ai l'air bon. Continue, hein. Ouais, bien sûr, je. Oh, on est en position, figa. Pardon, Distal ? On est en position, on attend le camion. Ok. Là. Nous, on arrive, le temps de s'arrêter vomir plus loin et c'est bon. Faut qu'on trouve un civil et qu'on lui raquette sa voiture. Donc, le TPK n'aime pas les barrières. Ouais. Après, c'est après, bon, j'ai... on peut s'arrêter par là. Hop. J'ai cassé les chenilles d'un tank sur un petit mur olympien la dernière fois. Pour moi, je crois comme un couillon, j'ai pas pris mon lanceur. Donc, si jamais le Zamak passe par là et qu'ils l'ont réveillé, c'est toi qui le tape. Hein. Ok, bah, je prépare le. Le respawn a oublié. Dans le coffre, tu dois avoir mon sac avec, c'est ça, ouais. Et dans mon sac, tu auras encore des missiles si jamais tu en as besoin. Oui, bah ça, c'est cool. Voilà, puisque j'en avais mis un d'avance ici, mais j'ai oublié de prendre mon lanceur. T'as quoi dans ce sac-là, là? Là, c'est mon sac de snipe, donc je dois avoir peut-être des explosifs, quand on est comme ça, ouais. J'ai des explosifs. Qu'est-ce que t'as? T'as, putain, 16 grenades fumées? Oh là là. Ah oui, Distal, il adore les fumées. Ça sert à il en faut, chose, ça part vite. Hein. Depuis qu'il a mis Blastcore, en plus. Mais je crois que c'est le même profil, là. C'est Rocco Sniper que j'avais utilisé la dernière fois qu'on avait joué sur cette mission, le labo. Tu te rappelles où on a carrément foncé dans le tas, en fait? Oui, tu as fait ce que voulait faire Yuri. Et on l'a réussi. C'est pour ça que j'ai dû la revoir. Tu m'étonnes. Il y a le camion qui arrive, ouais. Je t'entends. Non, c'est les avions. Non, non, il est là, le camion. Ah. Bon, c'est rigolo comme scénario, quand même. Bon, je la trouve un peu trop facile, mais bon, après... Tu l'as vu passer, Yuri? Ouais, il est passé, ouais, je te confirme, vas-y. On n'a pas le. Comme dans Arma 2, ça c'était rigolo quand t'avais des armes avec des trucs un peu longs, ça dépassait du camion, tu sais. Ouais. Ça faisait. Tu voyais, c'était rigolo. Hein? Eh bien, reviens, parti. Le chauffeur. Ouais, on va partir dans 15 c'est secondes. Ouais, dans le camion. Ah ouais, c'est bon, tout ok, roule. C'est bon, allez, on peut y aller. On va nous mettre en position en haut sur la crête là. Tu peux arriver pas trop loin de là où il y a la marque, groupe de soutien, écoute, on se met par là-bas. Au pire, on finira à pied. Oui, oui. Alors, si je casse l'autre côté. Oui, c'est une idée. Bon, j'ai un peu du mal avec la gestion des dégâts dans le jeu. Donc... Non, c'est affolant quand même. Quand tu vois que dans un GTA 5, c'est. GTA 4, pardon, c'est. Bon bah j'ai. Moi aussi je reviens. C'est mon c'est magnifique. C'est magnifique. C'est... Ah les commandos. Bon, pique un roupillon et un camion. Bon Black, je te laisse, hein, j'ai boire un café. Vas-y. Je gère.
Allez, nous aussi on a la musique. Ouais, ça vient en route. On va passer le petit village. Pour ça, on va être à l'heure là quand même. Ouais. Oui, c'est bon. Dis-moi Figa, pourquoi t'as mis deux personnes dans le camion? Ça peut être rigolo d'être à côté du chauffeur. Tu sais, tu vois le mec, salut, salut. Non, c'est vous le creux d'infiltration secret. C'est bon, c'est bon, va pas trop loin quand on te voit pas depuis la crête, sinon on se fait allumer. Là, tu joues avec le basse-corps, freestyle? C'est négatif, je suis à poil. On m'a dit de venir tout nu, donc... Ok, en position. Il n'y a plus de thermique sur les jumelles. Ok, camion rentre dans la zone. Bonne chance. Camion verrouillé. Je vois pas la patrouille. On sent ouais. Non plus. Et ça, ils sont au repos, ça c'est sûr, mais je vois pas la patrouille. Ah, elle arrive, négatif, hein, sort pas, Distal, elle est derrière. Ouais, je sais. Et il y a une autre patrouille. Une signature thermique pour moi. Après, ils peuvent aider une caisse que je vois pas, mais vous, hein, si vous voyez. Ah bah là, on les voit, ils sont derrière le camion, là, les mecs. Peut-être qu'en les écrasant... Allez, est-ce que ça les mettrait en alerte? Ils veulent pas faire demi-tour, putain. Parce que tu crois que si on les vit au silencieux, ceux-là... Je les vois toujours pas. Ils sont à côté du camion. Mais ils devraient patrouiller, ils devraient pas être... Ouais, mais il y a d'autres soldats qui nous voient. Ah, ça y est, ça bouge. Ça y est, ils avancent. Ça bouge, là. On fait quoi, Yuri? On sort Attendez, non, laissez-les passer. On va laisser faire le tour, hein. C'est vrai que bon... Dès qu'ils seront hors de vue, vous pourrez sortir. Roger. Oh putain, ils se dirigent par la droite. C'est pas grave. Ouais. De toute façon, votre but c'est à monter en camion. Attends. Laissez-les passer. Paniquez pas. Oh, on panique pas, t'inquiète pas. Par contre, mets la vue à la troisième personne. Ils sont sortis de ma vision. Tu verras, Yuri, au cap 60-70, il y a un mec ou à juste sa tête, le haut de son corps. 60-70, alors ouais. Attends. Pour moi, c'est bon pour vous. Ouais, ils sont. Bon, mais on essaye de sortir des styles. Allez, on tente. Donc, surveillez le coin de la coupole là, que j'ai pas en vue, enfin que nous on n'a pas en vue. On rentre, on nettoie la pièce. En visu.
Voilà, rester accroupi et rentrer couché. Ah, il va nous voir. Il nous voit à chaque fois, cet enfoiré. Mais rentrez par un côté où il vous voit pas. Oh putain, la porte elle est ouverte. Pourquoi elle est ouverte, la porte? Pas grave, allongez. Allez. C'est pas la peine de refermer la porte. Et on vous le dira s'ils reviennent. Ah, fais gaffe à ta droite, la porte est ouverte. Oh putain. Bon, moi je suis dessous le labo, hein. Alors dessous, troisième personne, tu dois pouvoir voir les pieds. Hey, du... Il est là, il est là. C'est toi qui l'as buté? Oh merde. Ah, vous l'avez buté? Ouais, c'est fait, ouais. Il était en train de sortir, mais c'est pareil, en fait, il te redave à chaque fois, le gars, quoi. Non, non, moi je rentre, il me voit pas. Pour l'instant, c'est dans le camion. Pour l'instant, dehors, c'est pas en alerte. Si vous avez le temps de sortir, je vois pas la patrouille, hein. Dépêchez-vous. Allez. Allez vous mettre dans le camion derrière, hein. Fais gaffe. Est-ce qu'ils ont pas eu le temps de faire le tour, les ânes? Non, non, ils ont pas eu le temps. Dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous, là. T'as la clé, t'as la clé. Putain, ils arrivent. Dépêche. Oh putain. Vite, vite, vite. Bon, je suis dedans. Ça arrive, là, ça bouge, là. Vous êtes dedans? Ça y est, ils vous ont. Ah repéré. Putain, ça saloperie. Ok. Merde, j'engage un temps. Attends, non, tant qu'on est dans le véhicule. Non! Ah, putain, Distail, t'es un barbare! Je balance des grenades. Ouais. Mettez-vous dans le camion si vous pouvez, il y a le pilote qui revient. Putain, on se tire avec le camion là. Oui, tirez-vous le camion, tirez-vous derrière. Engagé? Ah putain, c'est qu'on peut pas passer là. À l'arrière du camion. Si. Engagé, ah bah non, ça passe pas, merde. Vas-y, oui, vas-y, les mecs, feu, vous pouvez pas nettoyer. Bon, laisse tomber, mets-toi à gauche, on se met à couvert à gauche. Ouais, voilà. Vous êtes dans le camion? Oh putain, ça arrive en face. Ouais, chef de la mission. Ouais. Allez, B. Pourquoi échec de la mission? Je sais pas, vous êtes sûr de la. Eh oui, pourtant vous l'avez tué, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est qui a fait la mission là? <C'est>... T'es passé où, Yuri? Yuri, je sors côté ouest. Ils sont. Moi je suis à l'intérieur du radome. Hein. Ah, mais ils sont dedans, eux? Ouais, ils sont dedans. Putain, j'ai pas de grenade, pourquoi? Putain, j'ai. Ah, ça c'est un bug. J'arrive. La mission. T'as toujours un jeu, vous? Ah non, on a été viré du jeu. Ouais. On a été viré. Vous avez plus de soutien, les gars. Ouais, c'est tout pour vous. Ah, quoi? Ah, non. Dommage. On est reparti à la base. Échec de la mission.